Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Hospital. Alors je reprends vite fait la campagne qu'on avait fait précédemment plutôt que la partie sandbox que je vous ai mis ces derniers jours parce qu'en fait il y a eu une mise à jour de Project Hospital et si je vous montre mon bureau c'est pour vous expliquer comment on peut modifier le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de l'hôpital. Parce qu'en fait hop je vous l'ai mis voilà, en plein écran là et donc ça c'est notre ancien hôpital. On va remettre en pause quand même. Et en fait du coup j'ai trouvé le moyen pour... Tchac, rajouter un nouvel étage. Si on regarde là. Boum. Voilà. Enfin, on va pouvoir construire le nouvel étage. Et j'ai trouvé aussi un moyen d'augmenter à 300 le nombre d'employés embauchés par rapport à la limite globale qui était à 200 avant. Donc en fait, vous venez dans votre dossier Project Hospital dans Steam. Donc Steam Apps, Common, Project Hospital Data. Une fois dans Data, vous avez tout un ensemble de fichiers. Il faut aller dans... alors, c'est où déjà ? Streaming Assets, voilà. Je crois que c'est dans Database et Tweakables. Voilà, vous ouvrez le fichier Tweakables.xml. Hop. Mettre ici. Et là, donc, vous avez Tweakable Max Floors. Donc, ça, c'est le nombre d'étages. Alors après vous pouvez changer la vue, vous pouvez changer les refunds pour les... Ça c'est en fait quand vous... Alors ça peut être pas mal de le mettre à 100 parce que si vous avez envie de détruire un bâtiment que vous avez construit, vous récupérez toutes les thunes alors que là on récupère que la moitié malheureusement. Après on peut récupérer aussi les thunes qu'on récupère, on peut modifier pardon les thunes qu'on récupère. Et ici on a voilà, la limite d'employés qu'on peut changer ici, la monter à 300. Et après, voilà, les heures aussi à laquelle les choses se passent. Voilà, ça permet de tweaker, on va dire, de modifier un petit peu les trucs, les différentes valeurs du jeu. Ce qui permet, du coup, d'avoir... hop, je vais virer ce truc-là. Ce qui permet, du coup, d'avoir un nouvel étage et ce genre de choses. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. Et du coup, on va reprendre, on va se faire encore quelques épisodes, histoire au moins juste de construire... ce nouvel étage, je pense que ça va être le dernier étage d'ailleurs, où en fait on va y mettre principalement des chambres, tout simplement. Donc ça va être un étage pour des chambres. Du coup, alors, il y a un truc que je regardais ici, en fait, que je trouvais un petit peu dommage, c'est que en fait, au vu de comment j'ai organisé ce truc-là, j'aurais vraiment pu mettre cette porte ici, plutôt... pour faire en sorte d'avoir une autre chambre là en fait, plutôt que d'avoir ce couloir qui vient jusque là, c'est pas trop nécessaire. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ce truc là et on va pouvoir y mettre une nouvelle chambre ici aussi. Et après, ouais, comme je le disais, on va probablement pouvoir déplacer ces trucs là, peut-être les supprimer même, on fout. Pour pouvoir déplacer cette porte, parce que j'ai quoi? Bon, j'ai que 14 000 par contre, donc je suis pas trop blindé de thunes là. Hop, on met notre double porte ici, qui permet d'accéder à ça. Et alors, c'est quel truc déjà ici? D'accord, c'est orthopédie. Donc, en orthopédie, tu me mets, parce qu'on a quoi? On a 4 et 4, 8, 9, 10, ça devrait être amplement suffisant. Donc on va mettre juste un service régulier standard ici. Tchac. Et après je vais en vouloir un. Donc dans l'idéal là, mais le truc c'est que je peux pas parce que il va être à cheval avec l'extérieur. Donc du coup on va juste se le faire à la main. On va le construire nous-mêmes. Donc déjà on va faire service régulier, c'est ça? Alors, un truc aussi qu'on peut faire déjà, c'est un couloir. Ouais. Un couloir, c'est où? C'est là déjà, hop. Voilà. Voilà, comme ça on a le couloir qui va jusqu'au bout. Et après, on va mettre du coup une porte devant. On va dessiner directement notre unité de service régulier. Alors, ok, je peux la faire comme ça et comme ça. Et là, ça va nous permettre d'avoir, voilà. On va le décaler ici, on va mettre la prise de lit, il faut la table de chevet normalement, voilà, le défibrillateur, il est géré comment? Il est géré sur une table, on va se mettre ça en bleu, comme ceci, avec une armoire murale juste dessus, le défibrillateur posé sur la table, on va en profiter pour mettre un sol,
de ce type là. Voilà. Alors je vais vraiment faire comme les autres pièces, donc du coup on a quoi comme... D'accord, on a ça comme mur. C'est celui-là. Et on va en profiter pour faire le petit coin, le petit recoin. C'est quoi, c'est... Ah merde. Hop, ça c'est fait. Du coup... c'est celui-là, l'évier. Qu'il faut mettre. Et après... Ouais, je vais même pas avoir non plus le miroir. Où est-ce qu'il est, le miroir? Ce que j'aurais bien foutu à la place, c'est des toilettes, honnêtement. Parce que sur cet étage-là, s'ils veulent aller aux chiottes, ils doivent aller jusqu'ici. Ce qui fait un petit peu loin. Et le problème, c'est que j'ai pas trop de place pour mettre des toilettes dans le coin. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va faire ça. Il aurait fallu que je mette des toilettes quelque part. Tiens, d'ailleurs... Ah oui, mais ça, ça doit partir, ce morceau-là. Voilà. Voilà, comme ça, ça c'est propre. Et après, on aura notre étage supplémentaire, où là, on verra plus tard ce qu'on va mettre et comment on va le mettre. Parce que bon, il va falloir que je fasse rentrer un petit peu de thunes. Il va falloir que je finisse ça aussi, en l'occurrence. Si on regarde, c'est quel service? C'est celui-là de service. Parce qu'au pire, on pourra mettre quelques lits là-haut. Mais bon, j'ai pas trop les thunes pour ça. Donc déjà, on va reprendre notre journée standard. Parce qu'on a, on a pas mal de choses à construire. Et il va falloir aussi que j'achète d'autres ambulances. On va déjà voir si on arrive à faire rentrer des thunes un petit peu. En termes de mission, on a quasiment tous les objectifs qui ont été atteints sauf celui-là, le dernier. Et après, il nous reste ça qui va nous donner 50 000 de subventions si on arrive à traiter 90% des patients dans la prochaine journée. Donc j'espère qu'on va y arriver. Après, tous les trucs de tweak là, c'était principalement dû au fait que... Pour des raisons de performance. Donc du coup, vu que je pense que mon PC est suffisamment puissant, je peux gérer les problèmes de performance. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, on va supprimer ça. On va supprimer ce morceau aussi. Voilà. Et on va y mettre une meilleure porte. C'est pas accessible actuellement. Tchac. Et tchac. Et il va me falloir un sol aussi. La question que je me pose, c'est que ouais, déjà on a le mur qu'il va falloir. Donc c'est celui-là que j'utilisais ici. Ok. Parce que là on va faire 1, 2, 3, 4, 5 avec les. 1, 2, 3 pardon supplémentaires avec les ces trucs là. Si je regarde juste au niveau du sol, on a. D'accord, on a des morceaux de couloir par ici. On va faire ça. Et on va faire ça pour l'instant. Alors par contre, sur l'accès, ouais, on va pas le laisser en accès libre comme ça. On va le mettre en accès bleu. Non accessible aux patients. Et ça aussi, pas accessible aux patients. Alors, attendez, on va plutôt se faire ça comme ça. Hop, ah. Tiens. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. De toute façon, il va y avoir ces trucs qui vont se mettre. Donc ça devrait être pas trop mal. Ok. Ça, c'est pas accessible. Après, à l'étage... Que je remplisse ça aussi avec d'autres lits parce que comme on voit tous les lits commencent à être un petit peu occupés là, donc ça va le faire. Après, un truc qu'on pourrait faire aussi, ah merde, je suis à moins 19 000 putain. Okay, donc on va rien construire aujourd'hui, on va plutôt aller directement au cap vers le matin. Oui, bon, les patients qui s'effondrent, vous en occupez s'il vous plaît. Ah, salle TDM, TDM scanner. Alors oui, d'ailleurs, j'ai une salle à mettre ici. Mais après, je pense qu'il va falloir... Parce que bon, j'ai pas... Ouais, j'ai trois salles de scan standard.
comme je disais, pour ces trucs-là, j'aimerais revoir un petit peu le... Bon, on va laisser tel quel pour l'instant, de toute façon. On va mettre des... On va mettre des fenêtres. Enfin, de toute façon, on n'a pas de thunes, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour l'instant, on pourra pas faire grand-chose de plus. Tu sais, quel est le patient qui s'effondre comme ça? D'accord, toi, t'as peut-être la maladie de Lyme. Ok, ça va, les mecs sont là pour s'occuper de lui. Ah merde, il est mort. On n'avait pas de quoi s'occuper de lui au final. Peut-être que l'équipe de nuit, ils sont pas assez nombreux ici. Oh, on a 5 trucs de... intensif quand même, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que c'est mieux quand on a les thunes illimitées. Alors ouais, j'ai commencé à mettre un petit peu des fenêtres à cet étage. Et il faudra qu'on finisse aussi ces deux coins là. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Il faut l'oxygénothérapie. Bon alors, on a déjà un patient qui se barre aujourd'hui, donc ça c'est pas génial. Ok. Ouais, j'ai enlevé ce morceau là, mais du coup en fait il va peut-être aller jusqu'au bout pour pouvoir construire ces pièces là. Je suis un peu couillon. Faudra que je le remette ça. Alors ouais, de toute façon on n'a pas un rond là. Ah putain, j'ai pas mal d'emprunts aussi. Va falloir que je les rembourse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà sorti 25 000 aujourd'hui, plus 7 000. Sauf que bah, 7 600, c'est ce que je me suis fait au final. Rien que dans les salaires des cliniques et tout ça. On regarde sur la veille. Ouais, on est à moins 28 000, mais parce qu'on a 40 000 de construction. Donc normalement, on doit gagner dans les 20 000 de plus. Pardon. Voilà, j'ai la gorge qui est coincée, dis donc. Après, là, on a pas mal de trucs disponibles aussi. On est sur quel service ici? Cardio. Donc, normalement, ouais. Est-ce que on a des opérations en cours? Non. On n'a pas d'opérations en cours du tout. Ça c'est vraiment bien foutu, ils ont leur salle de pause juste derrière. Ils peuvent s'installer. Après, comme je disais, je pense qu'on va mettre un mur là et on va faire tchac tchac. 1, 2, 2 là, 3 encore ici. Donc ça va faire 2, 4, 7 au total. Plus les 5 actuels, 12 emplacements. Ça devrait être amplement suffisant pour tous les patients qu'on a à récupérer. On a déjà guéri 49, 50 patients. Est-ce que... Voyons voir. On regarde les stats un petit peu. On a 40 patients quand même encore en arrivée sur les files d'attente. Est-ce qu'on a beaucoup de patients ici? On en a 4 en attente. D'accord. Après, comme je dis, ouais, il nous manque une salle de... Comment ça s'appelle déjà? Ah bah c'est l'IRM en plus qui nous manque. Donc ça doit nous poser des problèmes sur les scans. Bah sur certains diagnostics. C'est pour ça qu'il y a certains diagnostics qu'on ne peut pas faire. Ça serait pas mal peut-être ici d'avoir le mur qui serait totalement de la bonne couleur. Voilà. Je pense qu'on va même... Non, on va garder la différenciation. Oula. Voilà. Et ce petit morceau de mur là, on va l'enlever. Voilà. Nickel. Après, un truc qu'on peut faire aussi pour rendre cette pièce un petit peu plus sympa, c'est mettre
ça aère un petit peu. Permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. D'ailleurs, pourquoi c'est noir là? Il va falloir que je change ça. Bizarre que ce soit noir. Ok. Voilà qui sera mieux. Le service est fermé, donc on a quoi? Ah merde. On a 14 qu'on n'a pas réussi à traiter. Bon, ici normalement on a le volume nécessaire. Peut-être qu'au dernier étage on va rajouter plus de ces trucs là. Parce que genre là on a de tout comme patient. Et peut-être avoir un deuxième étage dédié à ce service de radiologie. Mais en fait, l'avantage, c'est que je pourrais avoir un service de radiologie interne et un service de radiologie externe. C'est-à-dire, celui qu'on pourrait mettre là, par exemple, ce serait un service de radiologie dédié à tous les patients hospitalisés. Donc je laisse uniquement aux patients hospitalisés et avec un travail de nuit et de jour. Et ça, je laisse uniquement en clinique, par exemple. Et bon, ça va coûter une blinde. Merde, je suis à moins 1100. Putain, j'ai perdu des thunes aujourd'hui. Bon, ouais. Et... 17 patients non soignés aujourd'hui. C'est sûr que ça fait partir des sous, ça. Ok, donc minuit est passé. C'était le jour 67. Le problème, c'est que si je perds de l'argent chaque jour, on va pas aller loin. Ouais, faudrait tellement que je revoie ça. Ouais, presque que je recharge la partie en sandbox juste pour pouvoir réorganiser certains de ces trucs, quoi. Après, sur les nettoyages, ouais, j'ai l'impression qu'on arrive à tout nettoyer. Ah, il y a encore des morceaux qui sont pas très bien nettoyés par contre. Donc, voyons voir combien on va arriver à faire aujourd'hui. Parce qu'on a moins de 18 000 directs. Ça m'étonne qu'on ait des salaires de clinique. Ah, mais ça doit être des équipes de nuit. Qui doivent bosser à certains trucs. Ok, donc on a 12 000 qui sortent. Par curiosité, est-ce qu'on a... Ouais, on a plein de places disponibles. En fait, il faudrait vraiment voir si on peut pas optimiser un petit peu plus les... Genre, est-ce qu'au niveau des accueils, c'est bon? Parce qu'on a des gens qui attendent, là. Ils attendent quoi, exactement? Je crois qu'ils attendent... Ouais. Vous savez quoi? On va embaucher... C'est comment, déjà, qu'on embauche? C'est ça? Yes. On va rajouter deux réceptionnistes de plus, hein. Pour la journée. Ah merde, les gens passent par là pour aller les voir. C'est pas cool ça. C'était... Ah remarque. Je veux savoir pourquoi ça vient, d'où ça vient. C'est plutôt ces trucs là qui sont pas au bon endroit. On va les supprimer. Ouais. Et on va se mettre juste un... pour verrouiller. Alors soit je ferme là, soit je ferme carrément là. On va fermer là. Ah, mais parce que j'ai pas d'argent. C'est normal. Alors, du coup, est-ce qu'il passe par l'extérieur? Après, bon, ces gens-là, ils attendent. Alors toi, t'attends quoi? Triage à réception qui a été fait. Donc du coup, voilà, ok, c'était pour aller voir le docteur que ça attendait. Donc là, normalement, on a tous nos équipes de docteurs qui doivent...
Travailler à fond. Putain, j'en ai 1, 2, 3 qui sont occupés. Heureusement qu'on a l'équipe qu'il faut en face. Alors, il est 14, 13h30. Putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tous les... D'accord, ils sont allés aux toilettes. Ah ouais, ils y sont tous allés en même temps en plus. Bon, après, normalement, on devrait le faire. On est quoi? On a 44 patients. Si on regarde un petit peu nos stats. Ok, on en a 40 hospitalisés. 46, 47 dans l'hôpital encore. L'angiographie, ouais. On patientera ces trucs-là. On a 78% au total. Après, ouais, on a que soins intensifs qui est pas génial, génial. Comment ça se fait? On n'a pas plus de prestige que ça. Je pense que c'est aussi parce que c'est un peu moche. Le service, il est pas génial. Après, j'ai l'impression effectivement que on a quand même ouais, des soucis au niveau de ces examens là, sur ces scanners. Alors toi, t'attends une angiographie. Les angiographies, c'est lui là. Voilà. Et vu que j'en ai qu'une seule, ça doit nous pénaliser un petit peu. Ok, premier patient qui est parti. Pourquoi t'as pas pu être... Merde, le service est maintenant fermé. Donc du coup, là, on va avoir voilà, 17 encore. Juste par curiosité, pourquoi tu pouvais pas être traité, toi? Le glaucome vraiment fermé, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de l'œil? Ah, y a pas d'hospitalisation disponible dans le service de neuro? Il y avait deux emplacements potentiellement disponibles, mais effectivement, a priori, personne n'en a profité. Ce qui veut dire qu'effectivement il va me falloir que je construise là et là. Voyons voir. Parce que j'ai un petit peu de thunes, donc du coup on devrait pouvoir positionner. Alors oui, comme je disais déjà, on va devoir étendre ça et ça pour avoir la place. Et tchac. Et... Donc l'unité de soins continue, 13 000. Alors il va falloir que je décale la porte par contre. Donc là la porte elle est un peu à cheval. On va peut-être laisser juste une porte toute simple pour l'instant. Mettre une double porte après parce que j'ai pas les thunes. Ok, donc 25 patients qui n'ont pas été traités et on en a 44 dans l'hôpital, dont 37 qui sont hospitalisés. On a beaucoup de place dans... Et lequel de service hein? Cardio. Oh putain, j'ai plein de place dans le service de cardio. Peut-être falloir que je les micromanage un petit peu plus, ces patients. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et prochain épisode, on va continuer un petit peu à gérer cet hôpital. J'ai envie de voir comment il évolue. Merci à tous, excellente journée et à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!